Hey, salut les gens, c'est Stan, on se retrouve sur Europa Universalis 4 avec toute la team, Le Signe, Ardarine, Bonaf, comment allez-vous? Ça va très bien Salut, et salut, toi? salut! Ça va Salut, super, ça hein? va très bien. C'est la reprise pour moi, je suis vieux, je mets vitesse 1 au départ. Est-ce que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire? J'ai C'est fait bon tout ce pour que j'avais moi, à on peut faire. lancer. Presque, presque. Presque. Le Signe, t'as bien demandé à tous tes... Voilà, Oui, c'est bon, tout t'as le des points monde de suite. Parfait. me suit, tout le monde me suit, l'attachement est prêt, les mouvements sont en cours. Et c'est le lever! Ouais, j'ai recruté une compagnie de mercenaires pour me filer un petit coup de main. Honnêtement, il me casse le cul, les nobles. Hein. Allez, allez vous faire mettre. Ah oui, direct, dès début, première seconde. Ouais, ah non, mais franchement, que des événements de merde avec les nobles. Je sais pas si c'est moi qui ont 50% des terres, mais. En tout cas, C'est ils possible. m'emmerdent. Je peux venir te soutenir avec 3000 cavaliers, mon très cher Signe. Et bah pourquoi pas. J'en ai que 3000 moi-même, donc il y a de la place. Allez. Je me stack sur Horstelburg. J'aimerais bien que le Norvégien vienne. Ouais, s'il te plaît. Moi, je lance un assaut assez meurtrier sur le Tunisien. C'est quoi vos sièges? 28 moins 7, ça va être tellement chaud pour toi, Boudaf. C'est clair. T'as un petit bonhomme qui va débarquer qui fait 0,9, il pourra pas prendre Gibraltar. Ouais, je vois ça. Tu t'attaches, Ardarine? C'est fait. Parfait, enfin, j'y vais alors. J'espère que les autres vont se bouger. Voilà, la Norvège arrive, parfait. 5000 Polonais au nord. Il a 25 000 hommes, donc il a encore 10 000 qui traînent quelque part. Là, le siège n'est pas tombé, donc il n'aurait peut-être pas envie de venir. Voire il Voilà. va devoir faire des contournements à la con s'il veut venir. 0, 35, c'est tellement chaud. Ah, t'as un petit bonhomme qui peut passer. Ah, si je pouvais prendre Gibraltar avant. Allez, il faut lui faire mal Obligé là. de passer par Moi bateau pour déboger là. aller à Gibraltar. Parfait, voilà. Refais le contournement de tout à l'heure, essaie de voir si tu peux pas choper à Brasta Non, il se le barre, Mazovien. le Mazovien, il se barre là. Ouais. Mais c'est pas grave, déjà on a réussi à éviter que le fort ne tombe. Oh là là, mais les nobles, 146 ducats les mecs. Ou alors 20 de loyauté en moins et 7 régiments. Ah, faut ce qu'il faut, hein. Ah mais Yes, quel l'effort est enfer. pas tombé. J'ai une Et chance. les nobles voient Il peu de veut raisons de bien. soutenir l'union. Je vais vous mettre une tannée, les gars. Vous soutenir Descends l'union. Lubline, descends Lubline, descends Lubline. Ah! Trop tard. Ça pique! Ouais, voilà. Alors t'as le 0,9 qui est là, le 0,1. 35,7. Ouais, pas de raison que ce soit pas toi qui l'as en premier. Pense à consolider tes troupes. Ah oui, Pense à c'est vrai. consolider tes troupes. Un Norvégien qui tire. T'inquiète, t'as toujours mes 3000 cavaliers. Je fais des zéros donc tout va bien. Yes, L'émeute de c'est à Bergen. résister. Qu'est-ce qui se passe? Opinion de Norvège. Les hérétiques de Bergen ont signé leur arrêt de mort. Putain, mais les événements de merde, quoi! Bon. Pas la fête au Danemark, c'est vraiment pas la fête. Allez, moins 50 avec la Norvège, c'est bon, je peux me permettre. Moi, je suis en dépassement, j'ai pas trop envie de prendre un mercenaire de plus. Ah bah là, moi, je suis à 32 sur 20 avec plein de mercos, je perds plein de fric, mais c'est pas grave. Putain, moi, je suis Oh en oui, c'est pas grave galère à parce que du essayer de fric, faire j'en fais. tomber la Pologne. Après, faut que je me replie, Arnarine, parce que là, Y a pas de soucis, y a pas de soucis. c'est la On merde. pourra aller du côté de Wizna pour reprendre des forces tout en pillant. Ouais, pourquoi Les pas. 13 000 hommes qui soutiennent le château là. J'en Tu envoie peux pas 4 000 sur Putain, il nous aura coûté la cher cette poursuite bataille. du Hein. Gibraltar. Tellement. Ouais, essaye de remplir Gibraltar. Et donc, c'est... Ah, Je vais envoyer les 9 000 parce qu'ils ont pas encore la masse ça de serait bien morale. d'envoyer un maximum à Gibraltar. Ça pique tellement. Bon, les gars, c'est plus la peine de me suivre. Allez, faire vos sièges. Riga, ça se passe comment là? Le Attention Suédois. Gibraltar! Ah, le Gibraltar, Suédois, il est. Gibraltar! Putain, il est plus. Il peut passer, mais il va peut-être pas pouvoir passer. Stop, mets sur pause. Il passe le C'est 17 pause. novembre.
dont j'ai dû prendre un emprunt. Quand est-ce que tu tombes ton truc ? Tu tombes son truc dans un jour avant la prochaine phase de 12. Relâche la pause et tout va bien se passer. Yes. J'aime bien le... bien. Et tout va bien se passer. Voilà, on y est. Super. Toi, tu vas là. Oh là là, oh là là, oh là là, les 5000 là qui auraient pu être stack wipés. Oh là là, oh là là. Quoi ? Où ça ? Qui ? Comment ? Il s'est bien planqué où il faut, parce que là on peut pas y aller. Ah, ok, je les vois pas les 5000. Ah bah, je crois que j'avais raté un move, mais bah écoute, non, allez, je vois... Allez, cite ça, allez, cite ça. Et bah, je vois pas, allez, cite ça. Je vois zéro troupe, là. Comment tu fais pour pas voir... T'as pas ma vision ? Bah non, faut croire que non. C'est ils sont allés cite ça, là, là, au milieu de nous, là. Oui. Bah, je vois pas cette province. Je vois ah, okay. elle est sous ombre. D'accord, parce que moi je vois tout en fait. Bah, ok, Boudaf, je remonte dans mes bateaux et je m'en vais. Parce que comme ouais. T'as pu voir, ils partent tous vers moi. Hein. Ouais, ouais, tranquille, ouais, vas-y. Tu peux faire ton truc. Ouais, ouais, je suis en train de récupérer le reste de la grenade. J'attaque les troupes de grenade. Alors lui, il laisse 10 000 hommes à côté de toi, c'est plutôt bien pour moi. Est-ce ouais. que tu pourrais rapidement envoyer un bonhomme sur Garnata et Maritia ? C'est en cours. Il était 4 pour, polonais. Pour, ça qui pique. Pour poser ton pouvoir dessus. Juste un seul bonhomme, pas besoin de tout mettre. Côté et des mercos, donc je suis obligé. Ouais, pas de soucis. Mais pourquoi il y a 13 000 hommes à Malacca, là ? C'est vraiment un fort qui est au-dessus de niveau non. 5 hein ? Ok. Voilà. 9,2, très bien. Allez, 5% de professionnalistes de l'armée. C'est jamais trop mauvais, ça. Plus pour plaise. J'ai perdu la bataille, donc on renvoie la petite troupe de 4000 sur le reste. Oh, t'as perdu. Ah bah 4000 mercos avec un moral pas à fond contre 3000 hommes, bah ouais. Voilà. Les 9000 hommes, ouais, compagnie libre. Bon, t'es bien là, de toute façon, ils peuvent pas passer, tu bouges pas tes bateaux. Je suis en train d'attaquer le bateau tunisien, 32 contre 16, donc je vais prendre du mal, mais bon. Ah non, il a fui avec ses bateaux, je sais pas où il est parti. Ok. Ce serait bien si à 49% ça tombait. La Renaissance. Renaissance. C'est où ? Il faut prendre un truc pour que les bourgeois. Genova. Donc Gênes. Oh non, chez mon ennemi. C'est ton allié. C'est honteux. Oh, bon, on redémarre là. Un allié n'est que l'ennemi du futur. C'est mon allié oui. Pour le moment. Ça veut donc bien dire que c'est mon ennemi. Excusez-moi, je cherche un truc pour que mes bourgeois soient au-dessus de 35% de points d'équilibre. Oups. Ouais. T'as toujours besoin de la vitesse 1 dans le sud ? De quoi ? Non. Non, non, moi il peut repasser vitesse 2 là pour le moment, y'a pas de soucis. Non, non, oui, allez-y, je vous en prie. Bah, y a là, j'ai demandé la pause. Oui, oui, vitesse 2. Voilà, il n'y a plus de troupes de grenades. Oui, ça y est, je les vois là. Là, tu vois, tu es collé à la province de Laïcia, donc je vois les 5000 hommes. Ah, ça y est, tu peux y aller. Oh, ça va être un massacre. Ça va être un massacre. J'ai 3,8 de morale, il a que 3,1. N'importe quoi. Voilà, c'est le stack wipe. Et merde. Ça y est, je prends la tech 4. Oh non, 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 fais pas ça, mais qui sont cons. J'ai perdu plein de troupes. Ah ouais. Plein de troupes. Ah mais attends, je suis coincé, je peux pas passer. La saleté. Ordre teutonique. Il est venu me chercher des noix, ça c'est mes troupes, on consolide, on revient. Teutonique. Et on va prendre teutonique. Des mercenaires à la place. Voilà. Du coup, ça donne quoi ça ? C'est quoi ces 22 000 mercenaires ? Qu'est-ce qu'il... Ah, c'est la... non, il a de la réserve. Bah, va là-bas, toi. Toi, reste ici. Toi, reviens ici. 8 000, c'est pas assez. Je suis à combien maintenant ?
21 sur 24, on peut prendre un petit complément. Compagnie franche. Le Marocain bouge pas de chez lui, par contre ses vassaux je les vois plus, alors peut-être qu'ils sont allés vers le Tunisien. Ouais ça va, je vais gérer, c'est juste que avec les bateaux je me suis fait surprendre, un coup j'avais le passage, dans l'autre sens j'avais pas le passage. Et du coup j'ai rembarqué mes flottes au lieu d'aller soutenir, mais au final j'ai perdu 3000 de manpower, c'est rien, j'ai repris un mercenaire, on n'en parle plus. Tous ces bateaux sont à Tanger aux Marocains, je vais envoyer un bateau le long des côtes pour essayer de voir si ces vassaux sont rentrés chez eux ou pas. Normal les 1000 hommes que t'as envoyés à Varsovie hein. Oui parce qu'il y a le général avec d'autres sièges dessus. Ah ok, je vois pas. Donc il a encore 6 bateaux là, ok. Ces vassaux sont tous loyaux pour l'instant. Et tu te fais tranquillement le Marocain. Et ensuite, avec tout au beau monde, est-ce que t'as assez pour traverser 19, 30, je pense que 30 000 hommes, tu peux y aller, tu peux traverser. Ouh, le Tunisien est en train de recruter. Mais j'attends de finir d'abord la grenade. Oui, Varsovie qui tombe. 99% de victoire. Alors, ça. Je vais récupérer Plock, ça fera une forteresse en moins chez l'ennemi. On va lui prendre toutes ses thunes, comme ça le signe, tu vas gagner de l'argent. Ce serait cool, si je pouvais rembourser mon emprunt, j'avoue que j'apprécierais. Ouais. Lassitude de guerre élevée, séparatisme byzantin 80%. Ah, Glogo, c'est un vassal de la Bohème. Okay. Je pense que je vais pas pouvoir faire mieux que ça. Garnata Bodaf, c'est un fort qui est à 3000 hommes pourraient le prendre. Et t'en as 11 000. Ouais. Je te conseille de mettre tes propres troupes, mettre 4000 dessus, et d'envoyer tout le reste déjà à Ciota. En faisant quand même super attention, tu dois surveiller, être prêt à repartir, etc. Quoi. Pour le moment. Les bateaux au port. Combien ils ont d'ennemis, on sait pas. Bon, je suis à moins 5000 de réserve. Hein, par contre. Ouais, je suis pas 11, bien non 26, plus. 26, 30, 33, 36. Tu peux pas y aller, Boulaf. Va pas à ce tas. Non, mais pour l'instant, je me mets juste à Gibraltar. Ouais, mais je me recule justement pour. Tu peux t'y mettre, mais alors il faut vraiment que tu ailles dessus à fond parce qu'ils sont 36 000 et toi, t'es 27. T'as 10 000. T'as 10 000 Tunisiens là, de ton côté. Particulariste suédois, c'est une blague. 1000 hommes. Non mais pourquoi tu me mets des pop-up comme ça je... tant que t'as que le Tunisien et que tu le bats toi, je peux attendre que t'aies fini la guerre contre la Tunisie pour taper le Marocain. Hein. Tu peux attendre, mais pas comme ça. Là, tu te prends masse d'attrition. Oui, pas comme ça, oui. Hop. Bon. Hop là. Moi, tout ce qui compte, le plus important de tout, c'est que je continue à me faire du fric. Ça y est, je vais pouvoir éviter la ligue. Moi, c'est pas le cas, mais bon. Alors, moi, je me fais beaucoup quand je me fais encore 6. Ça va. Par contre, mes séparatistes byzantins sont à 90%, ça veut dire que je dois m'en aller de la guerre. Alors, normalement, j'ai un casus belli sur Lübeck. Il est dans une ligue commerciale avec Riga, ouais, Brême, Hambourg, bon. Tu vas pouvoir tomber sur. Quand tu auras pris le Kiev, tu pourras tomber sur leurs troupes à Kéron, apparemment. Clairement pas. Il a 11 000 hommes, j'en ai 14. Ah oui, les 7 autres, ils sont. Les 8 autres, ils sont à Djerba. Et voilà. Et j'ai rempli ma mission qui me permet maintenant de me diriger vers la Sainte Horde. Comme par hasard. Comme par hasard. Moui. La France. Ok. Tu sais que tu soutiens pas le siège avec tes bateaux. Oui, mais pour empêcher ces 13 000 bateaux d'être à Gibraltar. Ok, pas de soucis, de toute façon t'as le temps. Parce que s'il contrôle. Après, je pourrais le laisser traverser avec juste ses 15 000 hommes et bloquer pour les renforts. Déjà que si tu surveilles bien. Tu peux faire des allers-retours Golfe d'Almérique, Détroit de Gibraltar et le bloquer. Ouais, je vais tester, ouais. Si j'arrive à diviser ces forces en deux, ça m'arrangerait. Et surtout, moi, dès que j'aurai pris le fort, là, normalement,
de pouvoir commencer. Signe, je t'envoie un cadeau. Ah, premier emprunt. C'est fort sympathique de ta part. Moi je me suis mis en négatif. Hein. Loyaux au service pendant cette guerre. Ah, moi je suis à moins. Là je suis à moins 14 par mois. Ah ouais, quand même. Ah, petite pause. Ils vont. Ah non, c'est un Ciota qui vont, pardon. Ah bah tiens, en doctrine navale, j'ai l'amirauté danoise. Je vais prendre ça, juste parce que c'est danois, pour le plaisir. Plus 2 de manœuvre des amiraux et moins 10% de coût des amiraux. C'est de la merde. T'as bien fait de payer, je sais pas combien pour l'avoir. Non, mais oui, mais c'est pour ça que j'ai pas payé encore. Mais c'est un truc spécial danois, mais c'est quand même de la merde. Faut dire ce que c'est. Est-ce qu'ils ont piqué, mais voilà. C'est ok, sympa. J'ai des rebelles de partout là maintenant. Sur ma capitale, mm-hmm. y compris. Mm-hmm. Est-ce que tu veux que je fasse la paix avec la Tunisie? Même pas en vrai. Attends, je vais déjà faire la paix avec Grenade. Ah. Est-ce qu'ils ont des troupes avant? Avant que tu fasses la non, paix, non, ils ont non, zéro. Non, je les ai tués. Je les ai tués. Mais bon, t'as regardé pour savoir combien allait venir. Voilà. Je lui retire sa revendication sur Ciota, je lui prends toutes ses thunes et tout son territoire. Écoute, moi, normalement, si tout va bien, je vais avoir les deux forts qui vont tomber et je vais réunir 30 000 hommes pour défoncer le Tunisien. Une okay. fois que je l'aurai défoncé, je vais m'occuper de mes rebelles et je reviens t'aider. Mais là, ça donne presque envie que tu leur balances un... Tu vas pas te bouger dommage que pas la vue. Bon, je perds 5 points de démonstration de force par an, mais j'en ai gagné 25 en réussissant ma mission contre le Polonais. Ça peut valoir le coup de tomber sur ceux de Ciota, là. Bon. Venise est assiégée. Les séparatistes byzantins, ils sont 8000. Yep. Ça dépend dans quel ordre tombent mes forts. Ils sont tombés dans le bon ordre. Tu prévois pas de guerre immédiate là, Ararine. Ah non, là, il faut que je reconstitue mes forces. On est d'accord, donc je vais désarmer un peu tout ça. Ah non, t'en vas pas toi. Ça sort de question. Je me permets pas de désarmer pour l'instant parce que j'ai des rebelles qui risquent de popper un peu partout. Ouais, moi j'ai pris personne, donc non, je désarme la flotte. Le reste, je le garde. Et 24, alors, la Bohème a pris contre le Brandebourg, quelle surprise! 32, et là j'envoie 25. Donc tu vois pourquoi je voulais pas déclarer la guerre? À qui? À qui que ce soit, parce qu'en fait la Bohème m'a appelé contre le Brandebourg. Ah oui, la Bohème t'a appelé, d'accord, ok. Est-ce que ce serait pas une occasion de tomber? Ah non, c'est Hambourg, pas Brandebourg là, Lübeck. Bien, je vais remplir ma mission sur le pape. Moudaf, je te propose de réunir toutes tes forces, d'aller taper les 10 000, les tamponner les 10 000 qui sont sur Ciota et de revenir tout de suite. T'essayes pas de prendre le siège. Ok. Oh là là. De toute façon, faut que tu fasses baisser ton nombre d'hommes. Mais la seule raison de le faire, ça serait de faire baisser aussi leur nombre d'hommes à eux en même temps. Ouais, et l'autre, les 15 000 ne bougent pas. Tu les vois, les 15 000? Ouais, je les vois à Fès. Parfait, bah t'as tamponné. Bah s'ils bougent pas, tu replies... Non, pas tout, du coup. Tu laisses ce qu'il faut, tu laisses la moitié, tu replies les 15 autres 1000 et tu commences ton siège. Ça passera pas, ça. Alors, l'institution, ça donne quoi? Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à Ciota. Ouais, ouais, alors reste bien agile. Non, vas-y, envoie tes 8000. Yep. Tu peux pas te permettre d'attendre puisque t'es sur son fort. Envoie tout le monde. Ah, par contre, mes 9000, ils ont fait plus de 50% du trajet. C'est pas grave. Ça va peut-être le forcer à faire demi-tour. Et s'il le fait pas. Et on a la croisade. Allez, go. Ah, tu devrais la gagner cette bataille. Ouais, ça va piquer, mais je devrais la gagner, j'espère. Bah, le but, il était là de toute façon, hein, de faire baisser le nombre de troupes de chaque côté. Hein. Belle bataille. C'est bon, c'est gagné. Très bien.
Oh, le bohémien, il a pas peur. La campagne des chevaliers. 10% de morale, 15% de recouvrement des réserves, tradition terrestre annuelle plus 1. Oh là là, gain de 15 en tradition terrestre, 1000 de réserve en plus, pour seulement 100 points. Admin, je prends. Et si je suis déjà à 14% sur Ciota. Ouais, bah tu... Tatane. Voilà. Il est temps de consolider, hein, si tu l'as pas fait. Puis ça poursuit les armées, fait, ça sent ouais. Le stack wipe, ça sent bon. Le stack wipe. Tu t'es allié à Wolgast, je pense que je vais rejoindre. Hein. La bohème, je pourrais m'allier avec la bohème. Pas loin. Tu comptes la garder, la bohème, quelque temps? Oui. Je me cherche un dernier allié, donc je vais améliorer un chouï et puis je vais m'allier aussi avec la bohème, allez. Et si j'attaque Lübeck et qu'il y a l'Autriche et le Saint-Empire qui vient, ça t'embête ou pas? Oui. Oh. Il y a aussi Venise dans les alliés de l'Autriche, là, en ce moment. D'accord, ça ouais, t'embête, ouais. Mais pourquoi? T'es sûr? Après, ouais, Venise est un petit peu occupée pour le moment. Oh là là, cette déception. Ouais, je sais. Et hop, améliorer. Y'a qui dans la ligue de Lübeck? Riga, Oldenburg, Brême, Hambourg, Anhalt. Non, ça fait quand même beaucoup de gens. C'est un peu vénère, ouais. Il y a 60 000 hommes. Ah. Sans compter, je pense, les alliés de l'Autriche, ils sont pas comptés. Ouais. Par contre, tu peux attaquer Riga pour attaquer Lübeck. J'ai demandé à la Livonie de faire une revendication dessus pour qu'on puisse la réattaquer. Comme ça, on aura juste la Ligue plus la Pologne. Alors, je vais consolider. Oui, avant d'attaquer, voilà. Je vais consolider. Ouais. T'attaques pas, de toute façon. Hein. Tu passes sur ton jeu et tu descends l'autre troupe à Sota. Nous par contre, j'ai l'impression que ton général de siège, il est pas en train de faire le siège. Si, c'est bon. Il est, je l'envoie là sur ton jeu. Ça marche. Hop, un petit coup de canonnade. Oh, t'es pas obligé là, hein, on a le temps. Ouais, mais j'aimerais éviter d'avoir trop d'emprunts. J'ai déjà le deuxième et le troisième pointe son nez. C'est des emprunts de combien? De... 1 de 85 et 1 de 70 pour le moment. C'est réglé. Oh, merci. De rien. Ouais, je vais les rembourser, hein. Ça va plutôt m'éviter de prendre d'autres. Bien sûr. Tanger est à 0. Et toi, t'as pas encore réussi à prendre Tunis, ok. Ils ont presque reconstitué toute leur force là. Hein. Allez, hop. Niveau commercial. Transfert. Hérésie. Allez, on va faire un petit stack wipe en passant. Boum! Allez! 10 000 hommes en moins. Merci d'être venu. Et toi, t'es en ligne et au plateau. Ça okay. Ah, ils ont 26 000, ouais. Faut pas que t'attaques. Hein. Cette petite guerre, elle est bien, ça me permet de remporter des batailles. Et comme j'ai une mission qui me demande de remporter des batailles... Là, bah, je pense au pire, que tu remportes des batailles. J'ai un bon niveau de morale, je pense. Terre, qualité des armées. Alors, morale. Ouais, je suis premier avec 4,41. L'ordre et la hanse. Alors, pause. Qu'est-ce que c'est que cet événement que je ne connais pas? Donc 4,41 soit... de morale. Ouais, donc soit je garantis Lübeck, mais j'en fais un ami séculaire, mais ça n'a aucun intérêt. Non, puisque sinon je vais te défoncer. Modif d'entretien terrestre moins 10, modif d'entretien moins 20, influence des bourgeois plus 10. Ah bah non, ouais, bah non. Je vais plutôt gagner 50 points de chèque en disant que ce sont des enfoiros. Hein. Ce sont une chute, Toto. Faire ça et ça devrait valider la mission, ouais. Normalement. Bien, et bah cette guerre se passe rudement bien, je trouve, de mon côté. Je crois que nos ennemis n'ont plus de troupes. Zéro. Zéro. Ça me coûte une blinde. Zéro. T'es en guerre contre quoi? Toujours zéro et toujours zéro. Je suis en guerre contre le Brandebourg, l'Ansbach, le Bayreux, le Goslar et la Hesse. Okay. Ils ont plus de troupes. Ils ont plus de troupes, on occupe tout leur territoire, c'est un massacre. Et moi, Tanger est tombé. Super. Alors, est-ce que je réessaye le move sur Fès, où il y a 8000 hommes?
et reculer après. Non, 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 recule, repars, va-t'en, va à Malaka. Malaka, carrément. Laisse tomber, quitte le Maroc. Beau Portugal, la Grenade. Ouais. Quitte le Maroc. Ah oui, en effet, c'est vénère. Et attends patiemment qu'il ait envie de venir sur le fort. Visiblement, il a plutôt envie de se tirer. Non, faut pas que tu restes ici. T'es à Gibraltar, là. Ah, ok, c'est parti, fonce. Go avec tout le monde, là. Ah, attention, hein, pas 14 000 d'abord et 20 000 après, hein, tous en même temps. Non, j'attends qu'ils soient tous à Ciota. Voilà. T'en as 7 000 qui arrivent derrière. Tant de violence. Ils viendront. Ils viennent pas. Non. Bon, bah voilà, t'as gagné la guerre. Ils vont prendre cher juste derrière. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Moi, je me suis occupé de mes rebelles. Par contre, j'ai la noblesse vénitienne qui pique un peu. Ils sont venus. Ça pique. C'est bon. Mais ça passera quand même. Ou pas. Ça est passé. Je pense à consolider. Oui. Bon, on a presque refait nos réserves. Enfin, refait nos armées, on va dire. Moi, j'en suis assez loin. Je suis toujours à zéro de réserve, mais j'ai presque rempli mes troupes actuelles. Bien. Ici, est-ce que je pourrais faire un truc? Ouais, non, on est d'accord. Hein. Ça, j'étais pas sûr. Mais... Donc maintenant, bah voilà, t'as pu relancer sur Fez tranquillement. Stack wipe du Tunisien. Oh oh, GG. Tu veux lui faire la paix? Pas encore. Faut que je te donne Mélida et peut-être qu'après, il voudra pas faire une paix aussi forte tout de suite. Bah, il est en faible, alors bon, à voir. Hein. Bon, on va voir, hein. Je vais te donner le contrôle de ton territoire. C'est bon. À toi de voir s'il veut faire la paix. Attends, je fais pause. Tunisie. Allez là. Donc, Mitidja, je te prends les côtes pour toi. On n'y arrive pas, du coup. Je peux aller jusqu'à Zouara. T'es sûr, tu m'as bien tout donné, Ico? Surtout, t'as pas oublié Djerba. Si, j'ai pas pris Djerba. Il faut, si je prends Djerba, je peux aller que jusqu'à Sfax. Ah, tu peux pas prendre Tatooine. Ok. Alors attends, bah go, je prends pas les thunes. Si, je peux prendre Tatooine. Ouais, alors voilà. Oui, parce que les thunes, on s'en fout. Bon, j'en ai pris quand même un peu. Il pourrait pas me filer de. Oui, vas-y. Si je prends pas de thunes, il me file pas plus de provinces. Donc, on prend les thunes avec. Hein. Tout à fait. Et il accepte alors. Ok, c'est bah c'est beau, plutôt bon. C'est beau, il est coupé en. Oh, ce gavage. Allez hop, on légitimise. Et maintenant, je relâche la pause. Moi, je vais aller taper 10 000 séparatistes lituaniens, ça va être très bien ça. Allez hop. Une petite bataille de gagner en plus. Moi, je tente de faire passer le Suédois en dessous de 10% d'aspiration à la liberté. Ah. L'Aragon a été moins gourmand que dans mon test hein, sur la Castille. Mais il s'est bien mis quand même. Bon, ça, oui, va. Ça va, ouais. Tranquille quand même. Ouais, et puis il a des petits séparatistes castillans qui ont déjà popé et qu'il doit gérer. Parfait. 21 000 hommes, 18 000 hommes. Hein, ils ont L'Angleterre est en guerre contre la France et la Bourgogne. Séparé, bon. Ah. Y a pas de raison de faire du mal quand on peut se faire du bien. Ouais. Et en plus, il perd. En même temps, en quoi c'est surprise? Provence me rivalise et je suis une grande puissance. Oh, bravo. Bravo. Merci. Moi, j'en suis très loin de la grande puissance. C'est clair, moi aussi. Non, mais c'est plus facile. Moi, j'ai Boudaf qui fait toutes mes guerres. Avec mon fric. Avec mon fric. Ah là, j'avoue que sur cette guerre-là, le fait que t'atomises le Tunisien, certes, tu te gaves au passage, mais ça m'a quand même sauvé les miches. Hein. Oui, et puis je t'ai évité la banqueroute au passage. Ah bah ouais.
J'ai que deux emprunts, ça se gère, deux emprunts. Oui, mais t'as de quoi les rembourser si tu veux. C'est ce que tu peux virer un de tes mercenaires, oui. Hein, si tu veux. Au moins un, ouais. Bah tiens, cette petite troupette-là, elle a que 4000 hommes, elle a que la moitié des 4000. Allez, hop. Attends, c'est quoi ça? Il serait récemment survenu un événement crucial, rêve de liberté. Oh là là, ça sent pas bon. Ça pue, ça. Alors, Suède, perte de moins 50 en aspiration à la liberté, aspiration à la liberté, plus 50. Quoi? Ah, ouais. Mais tu peux choisir. Bah non, je peux pas choisir, c'est un truc que je peux juste faire voir ou d'accord, là, justement. Ouais, effectivement, il y a un plus 50 et un moins 50. Bizarre cet événement. Boudav, t'es en danger à Fès. Tes 8000, ramène-les à Tétouan. Alors plus précisément, c'est un plus 50 Boudav. Et moins 49,9%. Ça marche. Parce qu'il est parti sur mes terres, normalement, il est parti me siéger là en Tunisie. Bah écoute, s'il le fait pas. Si tu veux, on peut s'arrêter là, Stan, si tu veux faire la outro. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. C'est de la guerre un petit peu partout sur toutes les vues. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes les vues. N'oubliez pas les pouces, les commentaires. On vous remercie de regarder. On espère que ça vous plaît toujours autant. A plus tout le monde. Ciao, ciao à tout plus. Le monde.